20h minuit. La seule et unique libre antenne de Belgique. Mickaël. Et sur Fun Radio. Anthony, on va faire la déclaration express. On appelle ta future ex-copine. Hein, je sais pas encore comment on doit le dire, mais on va voir. Et donc si, donc elle va décrocher, hein, j'espère. Et donc tu vas lui dire voilà, j'ai un truc à te dire. Et elle va dire non, je t'écoute. Et elle va dire écoute. Et hop, là on enchaîne. Ok. Un message qui dit c'est gay comme histoire d'amour. On y va. Ouais. Allez, c'est parti. Bah oui, ça marchera pas, Lob. Ça marchera pas. Recommence. C'est vachement gay. Entre un habit et étoffe. Hein. Bien sûr. Non. Allez, on y va. S'il met tous les chiffres, ça va mieux. Ah bah oui, bah j'imagine. Ouais, c'est clair. Ah, il y a un gars qui dit c'est gay comme histoire d'amour. Ah, tu l'avais dit, Sandra, pardon. Je venais de le dire il y a 5 minutes. Chacun son tour, tu vois. Bah, je le fais exprès. C'est ça. Allô. Ouais. Ah, c'est un homme. Salam alaikum. Si. Allô. Oui. Alaikum oui, salam. Allô, Adeline. Adeline. Voilà, je pense qu'on a choisi. Soit Adeline a donné le numéro de son mec. Je pense que c'est Amédeline, hein, pas Adeline. Non, mais là, je parle à Adeline. Il a qui au téléphone, là? Bon, d'abord, c'est 13 ans, toi, hein, t'es qui, hein? Là, c'est, clou, bah, moi, c'est Anthony, moi, le serveur de Liège. Anthony Gavana. Ah là, on a affaire à du lourd, là. Ah non, c'est, ouais, allez, c'est qui? C'est qui, parce que je vais raccrocher, hein? C'est Anthony de Liège, le serveur. Vas-y, arrête. Ah, je raccroche. Mais alors, je veux parler à Adeline, là, c'est qui, là? Quelle Adeline? Moi, je connais pas d'Adeline. Bravo, Lob. Allez, bon, écoute, le roi du composage du numéro. Ouais, mais tu prends pas le numéro, je crois. Ouais. Voilà, mais ça aurait été plus simple de le dire tout de suite. Non, mais c'est pas possible. C'est son numéro, ça. Bon, attends, on a raccroché, mais nous avons, voilà, nous avons affaire au top du top du standardiste. J'ai nommé Sébastien Lob. J'ai mal noté le numéro. Ouais, ah bah, ça, je te confirme. Hein. Voilà, voilà, encore un petit. Maintenant, il est bien mis. Ah, donc, ah oui, donc c'est mal noté. Donc, entre sa feuille et le standard, hein, c'est ça le problème. Adeline, elle parle arabe. Allez, on y retourne. C'est ça, quoi, j'étais choqué aussi. Allez. On sait jamais, c'était peut-être son mec qui avait décroché. Peut-être. Ah oui, je me suis dit aussi. Mais là, ça ne décrochera pas. Il en aura tout gagné. Mais là, c'est son numéro. Oui, bah, c'est pas sûr. On le voit bien, ouais. Ça va être une chinoise qui va répondre, tu vas voir. Bonjour. Non, elle va pas décrocher, c'est plus simple. Allez hop, c'est répondeur, c'est parfait, on est au top. Bravo, félicitons le pour cet appel de. T'as raccroché là, c'est Anthony de Liège. Attends, Anthony. Écoute. Calme-toi, Anthony. On l'a refait. Calme-toi, il y a personne. Raccroche. Ouais, j'ai raccroché déjà. Mais il avait déjà raccroché. Ouais, il avait déjà raccroché, attends. Attends. Donc, on va la refaire. On va la refaire. Peut-être qu'elle a pas décroché parce que c'était un numéro masqué, mais on va espérer que ça rappelle. Enfin, qu'elle décroche maintenant. Et sinon, on le fera sur le répondeur, donc t'avais bien enchaîné, cela dit. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas la réponse du répondeur, ça c'est dommage. Comment elle s'appelle la fille encore? Adeline. Adeline, oui, ça fait 15 fois qu'on le dit en plus. C'est parti. Allez, Adeline. Ou alors elle écoute et elle a peur. Ouais, possible. Numéro privé, peut-être qu'elle répond pas. Nabil a déjà oublié notre belle histoire, comment c'est la Gay Pride. Ah, tu te trompes de personne, je crois. C'est ton ex, Nabil. C'est Robert. Ouais, salut Adeline, c'est Anthony. Tu sais bien qui je suis, quoi. Enfin, j'ai un petit truc à te dire, écoute. C'est vieux. Oh merde. Je t'ai rencontré à mon boulot. Toute la nuit t'as bu au coin trop. Et j'ai pas osé demander ton numéro. Car j'avais la trique. Le lendemain tu m'as ajouté sur Facebook après la soirée. Quand j'ai vu ça je me suis dit je vais serrer. J'ai eu la trique. Une latrique, oh oui la trique, quand je te vois c'est ce que j'ai. Oh oui la trique, si t'étais chez moi je te démontrais. Je glisserai ma main pour descendre sur ton clito. Je caresserai lentement, oh oui ce sera trop bon, j'aurai la trique.
Oh là 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 là. Déclaration express. Plus jamais tu fais ça. Il va se prendre un plus jamais tu fais une chanson pareille. Il va se prendre un stop à cause de toi. Elle va refuser de sortir avec lui. Ah, Toff, la honte. Je suis d'accord, mais bon, fallait bien que je la chante. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Adeline, voilà, on est sur ton répondeur. Certes, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Et donc, on t'appelait avec, avec Anthony, là, qui visiblement t'avait vu, n'est-ce pas, Anthony? Anthony? Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, on essaie de t'appeler pour te faire cette petite déclaration express. Malheureusement, tu n'as pas décroché, mais nous allons quand même essayer de te rappeler d'ici quelques minutes afin de prendre la température. Donc, si tu pouvais nous décrocher, ce serait cool. Merci Adeline, à tout à l'heure Adeline. Voilà, lobby peut raccrocher maintenant, c'est parfait. Ouais. Bon, bah Anthony, on va essayer de la rappeler d'ici 10 minutes pour avoir pour avoir son idée. Hein. Mm-hmm, okay, d'accord. Pas de soucis. Bon, allez, à tout à l'heure Anthony. Oui, mais j'avais pas la trique. Hein. Non mais c'est pas grave, on est dans le détail. Hein. Te casse pas la tête, va. Bon, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.